un concert rock ou dans tout autre événement de ce genre-là, voilà une situation où est bien illustrée ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire il y a des exclamations et il y a le mythe vivant qui il est sur la scène, il est dans le public aussi, quand tout le monde allume son briquet, bien sûr qu'on est là en train de communier et qu'on est là en train de créer une entité provisoire, mais avec un esprit qui transcende les individus et où il y a un sentiment d'appartenance et tout ça. Et bien entendu que c'est de cet ordre-là. C'est de l'ordre donc de la formation d'un collectif, d'un nous. Heureusement, c'est un nous provisoire parce que je pense que on a toutes sortes de bonnes raisons de se méfier du désir de constituer un nous durable et bien identifié, étant donné qu'un nous, par définition, suppose un eux là-bas moins bon que nous. Alors ça c'est une dimension à laquelle il faut absolument tenir compte quand on pense à un nous. Et dans ce sens-là, bon, le nous d'un concert rock ou au sortir du match de hockey du Canadien, bien sûr, ça peut donner d'ailleurs lieu à toutes sortes d'excès, comme on sait, mais c'est provisoire, c'est temporaire. Et ça n'organise pas quelque chose qui a besoin d'un bouc émissaire quelque part. Quand ça se fait, par exemple, les hooligans anglais, on sait, hein, ça finit toujours très mal quand on a besoin de placer le mauvais à l'extérieur du nous. On va toujours trouver un eux qui vont devenir nécessairement mauvais et ça engendre toutes sortes de violences et toutes sortes d'exclusions.